est venu avec une certaine situation dont jusque-là tu as l'impression que avec le monter les jeunes, ça n'a pas tenu. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Même si cette situation s'est déjà échappée de ta mémoire, même cette situation s'est déjà effacée dans ton langage, dans tes mots, mais dis seulement Jésus vient, Jésus vient. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Je sens la puissance et le poids de ta vie ce matin. Tomber dans une vie ce matin. Tomber dans une vie ce matin. Et toi qui es là, et toi qui es ici, je sens le poids, le poids, le poids.
vie rentre dans ta... que la vie reprenne, que la vie reprenne dans ton corps, dans tes finances, qu'il y a une vie qui reprend. Reprends encore la même phrase. Zambé na bomo. Alléluia.
Yeah.
Thank you.
simple, amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici comment Dieu prouve son amour à notre égard.
de Dieu manifesté en Christ à la croix à l'égard de quelqu'un, à l'égard de mon frère ou de ma soeur. C'est ainsi que l'un des cantateurs, il dit, je n'ai pas encore vu cet amour. Quelqu'un est mort pour moi. C'est ce qui a fait de moi, je suis devenu, je chante constamment sans m'arrêter. Je danse pour le Seigneur constamment sans m'arrêter. Parce que je ne peux pas comprendre cet amour. L'amour que nous connaissons des hommes, aucun ne peut accepter par amour pour nous de mourir à notre place. Aucun. Alléluia. Mais Jésus, il est mort à notre place par amour qui nous a aimés. C'est ainsi que Paul, qui a véritablement compris cet amour, il a dit, si Dieu nous a donné Christ, comment manquera-t-il de nous donner toute autre chose avec lui? S'il est capable de manifester son amour en livrant son Fils unique pour qu'il meure pour notre salut, comment manquera-t-il de nous donner toute autre chose avec lui? Donc en principe, lorsque cette révélation pénètre ton cœur, alors tu ne t'inquiéteras pour quoi que ce soit. Alléluia. S'il a été capable de pourvoir à ton salut en livrant son Fils unique, comment manquera-t-il d'être capable de te donner les enfants, de te donner l'emploi, de te donner la promotion, de te donner la bonne santé, de te donner l'expansion, de te donner l'avancement? Donc si tu comprends la chose, ton engagement envers le Seigneur changera. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à l'église. Les gens ne se lèvent que pour prier avec un cœur assidu. C'est seulement quand ils ont un problème. Mais incapables de rester dans la présence de Dieu, même pendant 3 minutes, juste pour l'adorer, à cause de ses hauts faits et de ses bienfaits. Bien-aimé, tout ça pourquoi? Parce que jusqu'à ces jours, ton esprit n'a pas encore été ouvert à la révélation de l'amour de Dieu qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prierons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous implorerons la grâce de Dieu que la chose nous soit révélée et qu'elle soit effective dans notre vie. Amen. C'est ainsi que quand j'ai regardé les apôtres, quand j'ai regardé la manière dont ils ont mené leur vie chrétienne, j'ai été choqué. J'ai compris que eux, cette vérité, ils l'ont saisie dans leur esprit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore des sérieux problèmes parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi cette vérité. Dis-moi amen et je continue. Et je prie de tout mon cœur, je prie de tout mon cœur que la chose soit manifeste dans notre esprit au nom de Jésus. Parce que lorsque tu seras conscient de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ en le faisant clouer à la croix, alors que tu étais un pécheur, un méchant, un impie et un juste qui ne connaît pas le péché est mort pour toi, non pas par devoir, mais par l'expression d'amour de Dieu pour toi. Alors tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu cesseras d'évaluer ta vie en fonction d'où tu es né, en fonction d'où tu as grandi, en fonction de quelle tribu tu es. Tu commenceras à évaluer ta vie sur base de l'amour de Dieu manifesté pour toi. Papa, si Dieu peut manifester son amour à ton égard pendant que tu étais pécheur, tu ne le connaissais pas, et il t'a sauvé, à combien plus forte raison manquera-t-il de te donner toute autre chose avec toi? Comment manquera-t-il de te donner la gloire? Comment manquera-t-il de te donner l'élévation? Comment manquera-t-il de te donner l'expansion et l'avancement à tous égards? Comment manquera-t-il de te guérir? Comment manquera-t-il de te donner le mariage? Comment manquera-t-il de te rendre féconde ou fécond? Comment? Explique-moi. Le plus grand problème, c'est que cette vérité, jusqu'à ce
réclamer de tels privilèges, j'aurai plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. Je suis en train de lire dans la version français courant. J'ai été, écoutez ce que dit Paul, il est en train de présenter le privilège des Hébreux, ce qui faisait l'orgueil des Hébreux, ce qui faisait que les Hébreux se sentent plus spéciaux que les autres êtres humains. Il dit ceci: pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Donc il dit, j'ai pas été du sang mélangé. J'ai pratiqué la loi juive en bon pharisien. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Alléluia. Il dit, dans la version lisez, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il n'y a pas une connaissance véritable qui ne soit basée sur une relation profonde, sur une relation intime. Quand on parle de la connaissance, on parle d'une relation profonde, on parle d'une relation intime. Donc c'est dans son intimité qu'il a été révélé à Paul que si tu es sauvé, c'est à cause de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ pour toi. Et Paul a compris que tellement que l'amour de Dieu a été grand pour moi, à cause de l'excellence de cette connaissance, la Bible dit, j'ai renoncé à tout, même tout ce qui était pour moi comme des privilèges. Être considéré comme un hébreu, circoncis le 8e jour, né hébreu, des parents hébreux, ayant une alliance avec le Seigneur. Et j'ai été pharisien. Quand il a dit que j'ai été pharisien, c'était la religion la plus rigide et la plus considérée en Israël. Et il continue en disant, même quand j'ai été religieux au milieu de pharisiens, quant à la loi, j'étais irréprochable. Mais lorsque j'ai connu Jésus-Christ, en ce moment, j'ai regardé ses privilèges comme étant. Le gens, lorsqu'il est directeur dans une entreprise, il voudrait même qu'on s'aide les conseils de l'église. On l'appelle, bonjour, frère, monsieur le directeur. Alléluia. Papa Paul, lorsqu'il a regardé l'amour de Dieu qui a été manifesté en lui, lorsqu'il a considéré ses privilèges, de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour lui, tous ses privilèges, il ne les a pas regardés comme quelque chose. C'est ainsi que vous voyez les gens dans leur vie, dans lequel lorsqu'ils ont la révélation de la manifestation de l'amour à leur regard, dans leur cœur, vous verrez que même la manière de s'attacher à Dieu diffère des autres. Même la manière d'adorer Dieu ensemble avec les autres diffère des autres. Même leur manière de s'engager pour Christ diffère des autres. Ce sont les gens qui, leur vie est basée sur un abandon total et complet à l'égard de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans le renoncement de soi. Et si Paul a renoncé à soi-même, c'est à cause de l'amour de Dieu qui a été manifesté en lui en Jésus-Christ.
doit prier. Parce que si quelqu'un, chacun de nous arrive à considérer le début de sa foi et l'aujourd'hui de sa foi, je crois qu'il y a des gens qui doivent se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous savez, lorsque nous avions cru, notre attitude était très différente peut-être par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Je me rappelle que certains, au début de leur foi, ils voulaient tout abandonner pour le Seigneur. Mais plus ils sont restés longtemps en faisant plusieurs fois de mauvais choix et en attristant le Saint-Esprit, la grandeur de la compréhension qu'ils avaient de l'amour de Dieu qui était manifesté à leur égard dans leur cœur, elle a diminué. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a des chrétiens froids. Et qui, quand vous dites que nous allons prier pour l'œuvre du Seigneur, vous êtes choqués qu'ils sont incapables de prier. Et vous voyez, aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, la vie chrétienne de certaines personnes est réduite à l'instinct de survie. Si vous dites « chassons les démons », waouh, le zèle, la force avec laquelle et avec laquelle ils exercent la prière, vous êtes même choqués en vous-même. Mais quand vous leur dites « prions pour que Dieu nous donne un cœur pur », prions pour que Dieu manifeste encore l'amour de Dieu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Alors là, vous voyez les teneurs des voix et l'intensité de la prière diminuer. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où la véritable vie chrétienne doit être manifestée. Nous voulons devenir des chrétiens dont le cœur brûle pour le Seigneur. Comme Paul le disait, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai regardé tous ces privilèges comme de la perte, comme de la boue, comme des ordures. Et il est allé plus loin, il a dit, c'est pourquoi constamment, sans cesse, je suis dans le jeûne et dans les prières pour le Seigneur. Lorsque la révélation de cet amour de Dieu se manifeste dans ton cœur, lorsque ton cœur commence à brûler pour Dieu, regardez les apôtres, quelqu'un comme Pierre, qui, au jour où on avait arrêté Jésus, il a régné 3 fois. Mais après que le Saint-Esprit est ravivé, après la mort de Christ, est ravivé cet amour dans son cœur, la Bible dit qu'il a été arrêté à cause d'un miracle et on les a battus. Après les avoir battus, on les a mis au cachot. Après les avoir sortis du cachot, on leur posa la question. On leur interdit de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Pierre le regarde en face, il leur dit, jugez-en vous-même, bien-aimés frères. Jugez-en. Jugez-en vous-même s'il est utile d'abandonner de prêcher Christ. Donc au point où Pierre a défié la plus grande religion de sa nation, prêt à mourir pour Christ. Je suis prêt à mourir, mais je n'abandonnerai pas de prêcher Christ, il leur a dit. Alléluia. Bien-aimés, nous prêchons Christ dans des états où on a accepté Christ, où on a accepté, on appelle ces états les états laïcs, où tu es libre de prêcher Christ en cours de route, dans le bus, dans le marché, on ne te fera absolument rien. Mais eux, ils ont prêché Christ au moment où tout le monde était opposé à cet évangile, où tout le monde était prêt à les tuer. Souvenez-vous qu'on a tué Étienne en jetant des pierres sur lui. Quelle mort atroce! Et il était prêt de mourir pour ça. Est-ce que nous aussi aujourd'hui sommes-nous prêts à mourir pour Christ? Papa, seulement lorsque réellement ton cœur brûle d'amour pour le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit te révèle le grand amour de Dieu qu'il a manifesté pour toi à travers Jésus-Christ, lorsque cela est réel en toi, alors tu crois que même
même si je mourrai, Dieu ne m'abandonnera pas. Et si je meurs, j'hériterai le royaume de Dieu. La vie que nous menons maintenant sur la terre correspond à la révélation que nous avons de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je voudrais que tous ceux qui nous suivent, que vous compreniez, bien-aimés dans le Seigneur, l'un des bénéfices de la présence de Dieu en nous, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait un travail de fond pour arriver à nous expliciter, à nous faire comprendre l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. Donc lorsque Dieu regarde l'être humain, oh, je comprends pourquoi le diable en est si jaloux. Alléluia. Je comprends pourquoi le diable en est si jaloux. Lorsque Dieu regarde l'être humain, il le regarde non à travers de ce qu'elle est l'homme, non à travers de ses péchés, non à travers sa vie, mais Dieu le regarde à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Oh bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque Dieu te regarde, il ne te regarde pas par rapport à ta tribu. Il ne te regarde pas par rapport à ton niveau d'études. Il ne te regarde pas par rapport au milieu où tu es né, au milieu où tu as grandi. Lorsqu'il te regarde, il te regarde à travers Christ. Et quand il te regarde à travers Christ, il voit un saint. Il voit un homme qui mérite l'intervention de Dieu. Il voit quelqu'un qui mérite que Dieu puisse lui manifester sa bonté. Alors mon frère, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Quelle que soit ta situation, Dieu t'apportera la paix au nom de Jésus. J'ai dit Dieu t'apportera la paix au nom de Jésus. J'ai dit Dieu t'apportera la paix au nom de Jésus. Dieu transformera ta vie au nom de Jésus. Alors cesse de pleurer. Le temps est arrivé où nous pouvons plus adorer le Seigneur que plus regarder à nos problèmes. Amen. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Et ton problème n'est pas plus grand que l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Papa, si Dieu avait plusieurs fils et qu'il en donnerait un, alors nous pouvions dire, bon, ça change quoi? Parce qu'il en a plusieurs. Mais la Bible dit, il n'en avait qu'un seul. Mais à cause de son amour pour nous, il l'a donné. Si Dieu t'a aimé jusqu'à ce point, comment manquera-t-il de te donner l'emploi? Comment manquera-t-il de te donner l'expansion? Comment manquera-t-il de te donner le mariage? Comment manquera-t-il de te donner la promotion? Comment manquera-t-il de te donner toutes ces choses que tu vois dans ce monde? Comment manquera-t-il de ne pas te défendre lorsque tes ennemis s'élèvent contre toi? Oh mon cher, ils ne te vaincront point. Non pas à cause de ce que tu es quelque chose, mais ils ne te vaincront point à cause de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ pour toi. Papa, la croix pour nous les chrétiens est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. La souffrance de Christ à la croix n'est pas pour notre condamnation, mais c'est pour notre salut. C'est le moyen de la manifestation de l'amour de Dieu à notre égard. Alors je me dis une chose, s'il en est ainsi, qui me vaincra? C'est pourquoi la Bible dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. J'ai dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu ne vaincras pas parce que tu es quelque chose, mais tu vaincras à cause de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour toi en Jésus-Christ. Et à cause de cet amour, la Bible dit à la croix, Christ a vaincu toute autorité, toute puissance. Et il les a transportés dans le cortège de sa victoire. Quelle que soit l'autorité et la puissance de l'ennemi qui peut s'élever contre ta vie, à cause de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toi en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Oh, je dis 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 que tu es plus que vainqueur. Car l'amour de Dieu pour toi est si grand à telle enseigne que Dieu ne peut jamais t'abandonner.
Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Écoute-moi, pendant que je parle ainsi, tu regardes à ton péché, tu regardes à tes erreurs. Écoute-moi, tes erreurs ne peuvent diminuer en rien l'amour de Dieu pour toi. Car l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toi en Jésus-Christ s'appelle amour agapé. Amour agapé, ça veut dire un amour volontaire et inconditionnel. Donc Dieu a décidé de t'aimer volontairement. Amen. Dieu a décidé de t'aimer volontairement. Quand je parle de cet amour, je ne parle pas comme de l'amour des humains. Quand tu lui fais du bien, vous êtes ensemble. Quand tu lui fais du mal, tout change. Même si tu lui as fait du bien 100 fois, mais tu lui fais un mal une seule fois, le mal là annule toutes les 100 fois. Et il devient froid à ton égard. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. Son amour pour nous est différent de l'amour des hommes. L'amour des hommes est sentimental. L'amour des hommes est émotionnel. C'est comme ça que cet amour a de fin. Mais c'est ainsi que vous voyez dans les vertus, dans les trois vertus spéciales que Dieu a nommées. Il a nommé l'espérance, la foi et l'amour. Et Dieu dit que l'amour est plus grand que toutes ces choses. Amen. L'amour est plus grand que toutes ces choses. L'amour que Dieu a manifesté pour toi, il est tellement grand que tu n'en rencontreras jamais nulle part. À cause de cet amour qui a été manifesté pour toi, tu es plus que vainqueur. Nul ne te terrassera. Quelle que soit la situation, quelle que soit la multitude de tes ennemis, écoute-moi, qu'ils se rassemblent autant qu'ils peuvent. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera mes ennemis. Oh, je prie pour que cette chose, monte dans ton cœur. Je prie pour que le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, ne cesse de répandre cet amour de Dieu dans nos cœurs. Que nous arrivions à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Que nous n'arrivons pas à regarder cet amour, à le comparer comme étant l'amour des humains. Lorsque tu fais du bien, tu es bien avec eux. Lorsque tu fais du mal, ils t'abandonnent. Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il t'aime, c'est un amour éternel et il est volontaire et inconditionnel. C'est pourquoi il dit dans sa parole que je vous ai écrit ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais s'il est arrivé que vous ayez péché, nous avons un avocat à la droite du Père, Seigneur Jésus-Christ le Juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, pas seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Donc alors, que ta culpabilité ne te retire pas de Dieu. Oh, je dis que ta culpabilité ne te retire pas de Dieu. Rentre vers lui, il t'aime d'un amour inconditionnel. Son amour pour toi n'est pas conditionné par la manière dont tu vis ou quoi que ce soit. Son amour reste amour pour toi, au même degré et à la même grandeur. Cela ne change jamais. Je suis venu exhorter quelqu'un qu'aujourd'hui, que tu saches que l'amour de Dieu pour toi est si grand. Est si grand. Dieu ne te regarde pas en fonction des circonstances ou en fonction de quel type de vie que tu mènes, mais son amour est tellement grand pour toi. Le problème est que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi nous allons prier ensemble pour demander à Dieu que cet amour qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ, qu'il permette que nos yeux soient éclairés, que nous les comprenions aussi. C'est ainsi que nous ne pouvons plus comprendre les zèles de certaines personnes qu'ils ont pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert seulement l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à leur égard. Ils ont compris la grandeur de cet amour et c'est ainsi que aussi en retour, ils aiment le Seigneur à un niveau beaucoup plus supérieur. C'est pourquoi leur niveau
niveau de consécration pour le Seigneur est à un niveau supérieur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Alors, de partout vous nous suivez, si vous êtes assis, mettez-vous debout ensemble avec nous. Et j'aimerais que nous puissions élever nos voix et que nous puissions prier. Élève ta voix et prie là où tu es. Tu dis à Dieu, Seigneur, ta parole déclare et dit que ton Esprit Saint répand ton amour dans nos cœurs. Seigneur, je prie que cet amour soit répandu dans mon cœur, ton amour soit répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et aussi, illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne la grandeur de cet amour. Élevons nos voix et prions ensemble au nom de Jésus. Oh Yandere Boshikele Bayanta. Iklame mon shakinta baba soklame yo sorada. Eluyo kontora bashika mai kontereble. Limbrada giamanta rabashika la bayanta. Eloyo kontora bashika mai kontereble. Ikla baba 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 ba. Lonta kiamanta rabashikele bayanta. Eloyo kontora bashika mai kontereble. Iklo bobo soklame mon shadia. Eluyo kontora bashika mai kontereble. Limbrada gea soklami mo shakia manta rabashikele bayanta. Ekla baba 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 baba. Père céleste, je te prie au nom de Jésus. Il est dit dans ta parole, ô Père, que ton Saint-Esprit répande de ton amour dans nos cœurs. Que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour si grand que tu as manifesté à notre égard lorsque nous étions des pécheurs, tu nous as prouvé cet amour et Christ est mort pour nous. Et Christ est mort pour nous. Et Christ est mort pour nous. Il a pris la place de nous qui sommes pécheurs. Il a pris notre place, Seigneur. Il a pris notre place, ô Dieu. Je te prie, ô Père éternel, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit à arriver à comprendre, Seigneur, la grandeur de cet amour que tu as manifesté à mon égard en Jésus-Christ. Je te prie, ô Père éternel, tel que tu l'as fait pour Paul. Paul a oublié ses privilèges. Il a oublié tous ses privilèges à cause de la compréhension de cet amour que tu as manifesté, que tu as répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. À cause de cet amour que tu as manifesté à son égard en Jésus-Christ. Mon Dieu, je te prie. Père céleste, je te prie. Je ne voudrais pas que ma vie chrétienne soit réduite à l'instinct de survie. Que je sache que je suis sur la terre et que je suis chrétien uniquement pour avoir le bien de ce monde, pour jouir de bien de ce monde. Non, Seigneur, car je ne suis pas citoyen céleste et je ne suis pas citoyen terrestre. Je suis citoyen céleste, Seigneur. Fais-moi grâce, ô Dieu. 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 Mebo sanerebo shakaya. Ekla baba 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 sopradia. L'ombre de gea mentaraba shikele bayanta. L'imbre gea sopagea sarada kentuya. L'imbre gea shore de gea mentaraba shikele bayanta. Éclaire mes yeux, éclaire mes yeux, éclaire les yeux de mon cœur, éclaire les yeux de mon cœur, éclaire les yeux de mon cœur. Seigneur, car toute vie chrétienne véritable commence avec un état de cœur, un état de cœur. Car ta Bible et ta parole déclare et dit, oh, ce peuple, leur cœur est éloigné de moi. Ils m'adorent seulement par apparence. Seigneur, je voudrais t'adorer avec mon cœur. Je ne voudrais pas t'adorer avec apparence. Je veux que mon cœur, les yeux de mon cœur soient illuminés, soient éclairés à la compréhension de l'amour. L'amour, l'amour que tu as manifesté pour moi en Jésus-Christ. Oh Yarabashike, car il n'a point péché. Et tu l'as fait partir du ciel, il est venu sur la terre, il a pris ma place à la croix, il s'est substitué à moi, il s'est substitué à moi, il a pris ma place, il a souffert à cause de mes péchés. Permets, Seigneur, que cet amour manifesté en Jésus-Christ me soit éclairé, me soit éclairé, me soit éclairé, me soit éclairé, me soit éclairé. Comme cela a été éclairé à Paul, Seigneur. Comme cela a été éclairé au Dieu, aux apôtres, Pierre et les autres, Seigneur. Ils devinrent fermes dans leur engagement à ton égard. Ils étaient prêts à mourir à cause de toi et de ton œuvre, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur.
besoin de ce monde. Quand nous n'en avons pas, nous nous décourageons. Mais quand nous en avons, nous manifestons un zèle qui est faux. Père, je te supplie au nom de Jésus. Nous voulons avoir un zèle véritable, Seigneur. Nous voulons avoir un engagement pur et véritable, un engagement sérieux, Seigneur, à ton égard. Nous voulons vivre la vie chrétienne véritable et épanouie, Seigneur. Nous voulons vivre une vie chrétienne véritable et épanouie, sans restriction, Seigneur. Sans restriction, Seigneur. Mais ce qui peut nous aider, Seigneur, c'est lorsque nous comprendrons l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, Seigneur, leurs cœurs sont encore obscurcis à cette vérité, Seigneur. La plupart, Seigneur, leurs cœurs sont obscurcis à l'égard de cette vérité. Quand ils regardent à leurs souffrances, quand ils regardent à leurs problèmes, quand ils regardent à leur situation, ils se disent, où est Dieu? Seigneur, laisse-nous que nous puissions comprendre, Seigneur, la grandeur de ton amour que tu as manifesté en nous, pour nous, en Jésus-Christ, Seigneur. La grandeur de cet amour nous permettra de comprendre que jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras pas, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aïe, 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 Père, aide-nous, viens à notre secours, Seigneur, afin que nous comprenions la grandeur de cet amour par lequel, Seigneur, tu as été capable de libérer ton Fils unique du ciel vers la terre. Il est venu non pour les justes, Seigneur, non pour les hommes de bien, mais il est venu pour nous les pécheurs, nous les impies, Seigneur. Aïe, aide-nous à comprendre cet amour, Seigneur. C'est pourquoi Paul dit... S'il nous a donné Christ, il ne manquera pas de nous donner toute autre chose avec lui. Et il est allé plus loin, il a dit, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Ton amour est tellement grand, oh ya, que l'échec ne nous arrêtera pas, la sorcellerie ne nous arrêtera pas, l'opposition satanique, démoniaque, ne pourront point nous arrêter. Seigneur, aide-nous, Seigneur, éclaire les yeux de nos cœurs. Éclaire les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous comprenons, Seigneur, le zèle des premiers disciples, Seigneur. En dépit de la persécution, ils ont persévéré en annonçant l'évangile. En dépit des temps et des circonstances, Père, ta parole déclare et dit, ils étaient capables de donner leur champ pour l'œuvre missionnaire, de donner leur maison pour l'œuvre missionnaire. Ils étaient capables de donner tout en dépit de cet amour. C'est ainsi que Pierre dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Seigneur, aide-nous. Aïe, 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 aïe. Aide-nous, Seigneur, éclaire les yeux de nos cœurs, que nous ne regardions pas en fonction des familles où nous sommes nés, en fonction, Seigneur, des quartiers où nous vivons, en fonction de nos capitaux, Seigneur, en fonction de notre travail. Mais fais-nous grâce que nous puissions nous regarder en fonction de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Que nos cœurs comprennent l'intensité, Seigneur, la grandeur de cet amour, oh Dieu. Seigneur, que notre communion avec toi ne soit pas seulement sujet pour te demander de l'argent, pour te demander la promotion, pour te demander le travail, pour te demander le mariage, pour te demander, oh Dieu, l'équilibre et le bien-être, pour te demander l'avancement, Seigneur. Que notre communion aussi avec toi soit un moment de restitution, de l'adoration et de la louange en fonction de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aïe. Aide-nous, Seigneur, afin que nous comprenions, Seigneur, que notre communion avec toi dépend uniquement de l'amour, de ce grand amour que tu as manifesté à notre égard en Jésus-Christ, en les livrant à la croix, afin qu'il prenne notre place et qu'aujourd'hui, que nous soyons fils et filles du royaume. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Nous voulons vivre une vie chrétienne véritable, Seigneur. Nous refusons que notre vie chrétienne, Seigneur, soit un instinct
manger et le boire. Quand nous mangeons et nous buvons, nous disons Dieu est bon. Mais quand on n'a pas de nourriture, Seigneur, que nous disions où est Dieu? Nous a-t-il abandonné? Seigneur, aide-nous à comprendre cet amour, la grandeur de cet amour, Seigneur, afin que nous ne soyons pas limités, Père, à la satisfaction à ton égard par rapport à l'accession au bien matériel. Mon Dieu. Père, aujourd'hui la vie chrétienne est sans saveur. Et sans saveur, et sans odeur. Ayabo Santara Baba Baba Baba. Aujourd'hui, la vie chrétienne est réduite, Seigneur, à l'obtention des biens matériels. Lorsque nous obtenons un bien matériel, nous disons tout haut, Dieu est bon. Mais lorsque nous n'en avons pas, nous commençons à nous plaindre. Nous devenons, Seigneur, nous allons de gauche à droite pour dire aux gens combien Dieu nous a abandonnés, combien la vie chrétienne est difficile. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que notre vie chrétienne soit comprise en fonction de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Cet amour par lequel injuste est mort pour le pécheur. Injuste est mort pour le pécheur. Le juste qui n'a jamais connu de péché. Oh là! Il dit à Jérusalem, qui va me prouver de péché? Aïe, personne n'a levé son petit doigt pour dire tu as péché. Seigneur, aide-nous à comprendre, oh Père. Aide-nous à comprendre cet immense amour. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Voici les yeux de cœur de plusieurs sont obscurcis, Seigneur, à cause des oppositions de la vie, à cause des souffrances, oh Dieu, à cause des manquements, à cause des crises, Seigneur. Mais je te prie, oh Père, que cela s'arrête au nom de Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs. 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 Seigneur, aide-nous, que l'immensité de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ nous soit révélée, que nos cœurs en soient conscients, que nos cœurs en soient enflammés, que nos cœurs en soient embrasés. Hey, Amédorobo Cheke. Car le Seigneur Jésus nous a enseigné, craignez. Il a dit, craignez celui qui tuera le corps et l'âme, et ne craignez pas seulement celui qui peut tuer le corps. Seigneur, si cet amour nous est révélé, nous serons capables de ne pas craindre celui qui tuera le corps, mais nous serons capables de te craindre, toi qui es capable de tuer le corps et l'âme. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas réduire la vie chrétienne, Seigneur, à la satisfaction des besoins matériels. Aide-nous, Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, qui réduisent la vie chrétienne à la satisfaction matérielle. Nous ne voulons pas dire comme des juifs, montre-nous les miracles pour que nous croyons. Aïe. Nous nous voulons croire, Seigneur, croire en toi, même quand il n'y a pas de miracle, à cause du fait que ton amour nous a été révélé dans nos cœurs. Ton amour nous a été révélé dans nos cœurs, dans le plus profond de nos cœurs, que la grandeur de ton amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ soit manifeste, Seigneur. Nous refusons de réduire la vie chrétienne au manger et au boire, car c'est plus que cela, Seigneur. 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 La vie chrétienne est la relation d'amour entre toi et ton peuple, Seigneur. Nous voulons avoir une relation d'amour. Par l'amour que tu as manifesté pour nous, laisse que nos cœurs soient embrasés aussi par cet amour, et que nous t'aimions aussi de tout notre cœur, car ta parole déclare et dit, vous aimerez l'Éternel Dieu de tout cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Seigneur, cela est possible uniquement si ton amour à notre égard nous est révélé. Je
J'aimerais là où tu es que tu commences à reconnaître cet amour. Cet amour dont la Bible dit Dieu nous a prouvé. Jusqu'à quel point Dieu nous a prouvé son amour de ce que son Fils unique est venu mourir. Christ est mort pour les pécheurs. Commence à remercier Dieu pour cet amour. Narabaso Pradea. Limbragaya soclame mon chadigele bazinta. Yandarabababababababa. Yandereboche. Yandarabaso Pradea. Egea mantarabashigele bayanta. Mamereboche nderebekente. Yandarabashigele bayanta. Merci Seigneur, merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu vas continuer à répandre cet amour dans nos cœurs continuellement afin que cela nous transforme. Mayaso, merci Seigneur. Merci de l'amour que tu nous as aimé, Père. Merci Père éternel pour cet amour si grand que tu as manifesté en Jésus-Christ qui est mort pour nous des impies. Alors que nous n'étions des pécheurs, nous ne te connaissions pas. Il est mort pour nous. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour cet amour. Sois loué au Père et sois exalté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous voulons être embrasés de cet amour. Nous désirons être embrasés de cet amour. Nous refusons de réduire notre vie chrétienne au manger et au boire. Nous refusons de réduire notre vie chrétienne aux avantages matériels. Nous refusons de réduire notre vie chrétienne à l'instinct de survie. Aide-nous, cher Saint-Esprit, embrase encore nos cœurs en manifestant cet amour de Dieu à nous. Répands-le encore devant tous ceux qui sont devant nous, Seigneur, en face tout comme à travers les médias, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte. Répands cet amour, Seigneur. Répands cet amour, Seigneur. Que nous arrivions à la comprendre, Seigneur. Et cela nous transformera. Et cela permettra que nous disions comme Paul, ce qui était pour nous un privilège, nous les regardons comme des ordures. Nous regarderons aussi les avantages de ce monde comme des ordures, Seigneur. Aide-nous, Père, car aujourd'hui, même au milieu de chrétiens, beaucoup s'entretuent, beaucoup s'opposent et deviennent les ennemis des uns et des autres à cause des avantages matériels de ce monde. Seigneur, je voudrais que par le Saint-Esprit, que l'amour que tu as manifesté pour nous soit répandu dans nos cœurs, afin que nous comprenions que même si nous perdons les avantages de ce monde, nous aurons de plus grands avantages avec toi. Car tes saints ont perdu plusieurs avantages. Comme Pierre l'a dit, il a tout abandonné pour te suivre. Paul l'a dit, c'est ainsi que j'ai tout quitté pour te suivre. Seigneur, nous voudrions que cet amour nous soit manifesté, que nous disions aussi, nous aussi, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous prions pour que nos cœurs soient lavés de toute